Nana Bosso and White Thomas, Oma Mane, Toto Ndoliamo, Amos Wamane, the Bibi Sonny. Le Coco Ado Beach est le rendez-vous culturel de référence annuel du village Abiati qui se déroule chaque week-end pascal. Pour cette édition qui s'est déroulée du 20 au 22 avril à la plage Coco Ado d'Abiati, le parrain était Monsieur Hippolyte Ebanechi, premier maire d'Assini et DG d'Anaré Côte d'Ivoire. Alors, c'est comme ça qu'on va renforcer les liens de notre grande famille, la famille du Sud Koumoué, de la région du Sud Koumoué. Nous sommes tous frères, nous avons le destin de vivre ensemble, de devenir ensemble, de se développer ensemble. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion d'être là. Je me réjouis aussi du fait que ce genre d'occasion nous aide aussi à montrer l'importance de notre culture. Je pense qu'on va se retrouver très bientôt. Pour moi, je retiens une chose. Nos pères ont ouvert la voie. Nous autres, de la même génération, nous avons le devoir de travailler ensemble pour continuer l'œuvre de nos parents, en fait. Merci, merci à tous. Il convie la population, la jeunesse et tous ceux qui aiment le village à 3 jours de manifestation avec la participation des artistes en vogue de plusieurs variétés de la musique ivoirienne. Et dis Dieu merci, on va connaître Abiati. Je suis arrivé, je suis même pas découragé. J'ai vu la plage derrière moi, c'est trop génial. Abiati. Regardez, Moussa a fini.
connaissent. Il prend la petite sœur pour aller chez elle à la maison. Regardez bien son pharo. Vigno à son papa, de Krika à sa maman. C'est Togo pour les petits frères, la quoi était emballée. Arrivé à l'hôtel, Toto a fini son plaisir. Il était dans la douche. Elle voit le potable. Elle veut faire pharo pour appeler pour tout le monde. Qu'elle a pu aider dessus, ça faisait. Son objectif est d'occuper sainement la jeunesse, d'apporter du bonheur et la cohésion à la population. Nous avons ici sur plus de 10 hectares. Auparavant, c'était des palmiers et tout ça qui était planté. Donc, l'oncle, avec les maigres moyens et les appuis qu'il avait, il a pu bâtir cette belle plage que vous voyez. Et je dirais que cette belle plage représente et la configuration de la plus belle plage d'Abosso et d'Adiaké. Nous avons fait cette fête pour que nous nous retrouvions sur cette belle plage. Dans un premier temps, je dirais merci à notre grand frère Nyangbo Aka qui nous a offert cette plage. Je remercie notre chef du village Nana Brokou Bedia. À chaque année de notre édition, il fournit tout son effort pour pouvoir nous aider à réussir la fête. Je remercie encore notre parrain Ebaïnki Hippolyte, le nouveau maire d'Assini, DG de l'Alnare. Alors, je le remercie beaucoup parce qu'il a fourni tout son effort et il a effectué le déplacement jusqu'à sur la plage Coco Ado. Alors, je le remercie beaucoup. Je dirais encore merci à mon comité d'organisation du Coco Ado Beach. Le comité, à chaque fois quand il y a le Coco Ado Beach, matin et midi soir, ils prennent leur temps, ils se réunissent et ensemble, on prend les idées pour pouvoir faire cette fête. Je remercie aussi M. Kwao Gagi, qui est notre député du département d'Adiaké. En plus, nous remercions aussi M. le DG du port Yensié. À chaque année, il nous porte de l'aide pour pouvoir réussir la fête. À nos sponsors, la Solibra, disons Orange Côte d'Ivoire, nous leur disons merci. Nous remercions tous les villages qui ont effectué le déplacement sur notre site. En particulier, la sous-préfecture d'Agouan, la sous-préfecture de Maféré, la sous-préfecture de Tiapoum. Nous leur disons merci. Cette année, nous avons enregistré plus de 7000 personnes. Alors, nous nous donnons rendez-vous pour l'édition 2020 avec plus de 10 000 personnes. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons donc composé un commissariat de Beach, composé et présidé par M. Kolia Tindi, le premier porte-parole du chef du village. Parce que nous voulons que les années passées, c'est le secrétariat Abidjan et le secrétariat est venu à Biati. Mais ce qui a été notre force, c'est que M. Kolia Tindi est un homme battant.
Au moment où on ne croyait pas réussir le but, la surprise, c'est que nous avons réussi sur le plan local et sur le plan régional, le but le plus fréquenté cette année. Nous espérons que l'année prochaine, on était à 6 000, 7 000 personnes cette année. Mais on compte avec notre effort, avec notre participation, parce que c'est le but du village. Ce n'est plus le but d'un parti politique, c'est pas le but de tel type. C'est le but du village. Nous allons conjuguer notre effort pour que prochainement, nous atteignions au moins les 11 000 ou les 10 000 personnes qui viendront à Abiati. Ma présence à la plage ici aujourd'hui, au cours du beach, ça vous soutenir, mon jeune frère, président du commissariat, et savoir le mouvement qui se passe ici, si c'est dans le bon sens, si c'est dans la gaieté. Donc, je suis là pour interroger quelques participants pour voir s'ils sont satisfaits de ce qui se passe ici et les encourager, leur demander de renouveler leur présence dans les éditions à venir. C'est tout juste pour contrôler et voir exactement ce qui se passe ici à la plage. J'ai eu le temps d'interroger les gens. Ils ont fait des doléances que nous allons chercher à corriger dans les éditions à venir. Je remercie le commissariat qui, pour moi, a fait un bon travail et la population qui se sont présentées, qui sont venues dans la gaieté et se retournent dans la gaieté. Je ne souhaite pas qu'il y ait malheur et malheur n'en aura pas parce que j'ai une équipe de sécurité très en forme qui, de tout temps, nous satisfait par leur travail. Nous sommes un groupe de 24 personnes commis par le commissariat du Cocoado Beach pour assurer la sécurité tant des personnes que des biens. Tous les festivaliers peuvent, pendant les 3 jours, circuler sans problème, dormir sans problème sur la plage. Nous assurons la sécurité de tout le monde. Il ne faut pas que les gens aient peur. Et nous exhortons tout le monde, tous ceux qui arrivent, il ne faut pas qu'ils aient peur. Nous sommes là pour leur sécurité, tant dans l'eau que sur la plage et même dans le village. Nous sommes aidés par les forces de l'ordre. Il y a la gendarmerie d'Adiaké et d'Abosso qui viennent nous accompagner. Nous disons merci à tout le monde et nous vous attendons pour l'édition 2020. Nous sommes venus pour la fête des Pâques, venir montrer ce qu'on a. Nous sommes venus d'Abidjan pour venir de la restauration, pour faire plaisir aux gens. Vraiment, je remercie le bon Dieu parce que tout va bien. Il n'y a rien de grave, on s'amuse bien. Vraiment, je remercie aussi le village qui nous a reçu bien. Nous avons ici des brochettes avec de la loco, avec du blé. Bien assaisonné. Voilà, nous on a été champion du festival des Criades. 2018, on a été premier. Voilà, nous on est venu au moins participer aussi pour voir ce que ça donne. Voilà, vraiment, je vous remercie. Moi, j'ai aimé le coin. Moi, c'est bien ambiancé. Surtout la sécurité, vraiment, j'ai aimé. L'engouement était vraiment bon. Vraiment, je suis satisfait. C'est une première fois que je suis arrivé. Bon, ça me motive de venir ici encore l'année prochaine. Inch'Allah, si je suis en bonne santé. Ok, vraiment, merci beaucoup. Ma deuxième année de participer à Beach Abiati, à travers mes amis, je me sens à l'aise. L'âge-là me plaît beaucoup. Mon accoutrement, je ne sais pas, mon accoutrement me manque. Quand je suis venu, je me suis exposé à tout le monde. Mais il y a des belles filles, il y a des belles femmes. Non, la fête est très belle. La plage, il n'y a rien de tel. Il n'y a pas de deuxième plage dans Sud-Comoué. Puisque hier même, on a vu l'expérience de la pluie hier nuit. On s'est réfugiés tous. La différence aujourd'hui, à ma grande surprise, on me dit que non. Il y a des prises de sang. Il y a des tests de dépistage. Non, en tout cas, j'étais beaucoup ému. Puisque le dépistage, on fait la vie, on me dit que c'est gratuitement. Il y a plus de ça pour dépistage de sida, VIH, fallu, attention. Non, ça m'a vraiment plu. Je salue la personne qui a eu l'initiative de faire la plage d'ici à Biati. Mbaka qui a été ouvert à tout le monde, à la Nation Unie. Le Sud Comoé lui remercie vraiment. Il ne faudrait pas que ça soit passé. Je remercie vraiment. Le sponsor officiel qui est Orange, Côte d'Ivoire. Je suis très content d'être ici ce soir parce que là, je vois des merveilleuses choses. Tout est beau ici. De belles femmes, de beaux garçons.
vraiment, je n'ai pas eu le temps d'être là. Je continuerai quand que je connais, mais je vais être toujours là. Les gens savent en venir. Je pense que je ne suis pas natif de Abiati, parce que si elle est une des visiteurs les plus fréquents, mais je pense que nous sommes à niveau 4e édition. Chaque année, je vois qu'il y a de la misère. Là, tu l'as très très bon, agréable. Il a pu sortir de l'eau. Il a pu sortir. Moi, c'est ma première édition. Ok. Première édition. Tranquille, hein, au calme. J'adore. Ça va très bien. Il y a une bonne ambiance. Tout se passe bien. Il y a le soleil. Ça va. Première édition. Ma première édition. Voilà. Le secrétaire a tout dit. Effectivement, nous demandons à toute la jeunesse. Nous demandons à toute la jeunesse, pour ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement cette année, on demande à ces personnes, à ces jeunes-là, de venir l'année prochaine. C'est notre merveille, c'est notre plage ici, c'est la plage de tout le monde. La plage de tout le monde, donc nous invitons tout le monde à y participer. Effectivement, on peut dire qu'il y a une différence. Les années passées, antérieures, on n'avait pas cette plage. Seulement, on se regroupait dans un petit coin et on s'amusait. Mais par la grâce, Dieu nous a donné cette plage. Tous les villageois, y compris la chefferie, a donné ce point pour que la jeunesse s'amuse. Donc aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans que nous émergeons ici. Donc après Assini, c'est Abiati. Je n'ai jamais vu et vraiment, je suis vraiment satisfait. S'il y a à refaire encore, je vais le faire. Vraiment, je dis vraiment merci aux villageois Abiati. Vraiment, ça m'a laissé vraiment un bon souvenir, c'est ce que je peux dire. Les groupes Solibra et Orange étaient les sponsors et d'autres partenaires comme Nescom, Enfance de Glousseyi, Hôtel Monzon d'Abidjan et Hôtel Kolia Yamsoukou. Abiati est plus doux que Paris. Voilà. Et même il vient nous rendre visite. Ça veut dire que chez nous aussi c'est bon, on n'a qu'à rester ici. Rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2020 avec le Coco Adobic. C'est Papa Noche, ma famille.